Une page se tourne et une autre s'ouvre dans l'histoire de la nouvelle province du Kasaï-Oriental. Le gouverneur élu a procédé à la remise et reprise avec les anciens commissaires spéciaux adjoints du gouvernement. La cérémonie a vécu ce mardi 3 mai 2016 dans la salle des réunions du gouvernorat des provinces. Les dossiers en cours de traitement dans les cabinets d'Antoinette Kapinga-Lukusa et de Jean-Pierre Moutanda-Kabuya ont été repris par Alphonse Gueye-Kassangi, qui reprend en même temps le plein pouvoir de gestion administrative et financière du Kasaï-Oriental. Il sera secondé désormais du vice-gouverneur Jean-Pierre Moutanda-Kabuya. L'ancien commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques a remercié le gouverneur Ngoï Kassangi pour avoir offert un climat de travail paisible et inoubliable. Pour sa part, le chef de la province apprécie la collaboration dans laquelle s'est déroulé le mandat du commissaire spécial et de ses commissaires spéciaux adjoints, laquelle collaboration a même été saluée par le gouvernement de la République lors du dernier atelier à Kinshasa. C'est une période où nous avons géré la province avec les deux adjoints, commissaires spéciaux adjoints, qui ont été caractérisés par une franche collaboration qui a été même félicitée au plus haut niveau de l'État. Nous venons d'un atelier à Kinshasa sur le centre de gestion du ministre de l'Intérieur. Au cours de cet atelier, nous a félicité les provinces qui ont travaillé dans un climat apaisé, c'est la nôtre. D'autres, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes. On avait voulu d'abord honorer le président de la République sur les séances de l'Ontario, honorer pour la confiance qu'il a placé à nous pour que nous puissions diriger cette province du Kasaï-Oriental, essayer de relever les défis, qui nous entourent, les défis du développement, les défis de la modernité. Les membres du comité de sécurité, le cabinet sortant du gouverneur et les représentants de l'inspection de la territoriale ont assisté à cette cérémonie riche en couleurs.